baninga tangwa kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie coin si coin moto teo tolobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini Abalobinini. Veut dire tolobé la vie. Papi gène. Papi gène tolobé la vie. Papi gène tolobé la vie. Si maya 382 jours ya kokamba vice primature et intérieur pe sécurité, Henri Movasakani aibaki kotike la ebonga na molandi na ye Basil Longo Pongo o ya kotambusa ministère yango lokola vice premier ministre intérimaire. Remise et reprise, et c'est le maquis samedi 9 mars 2019. Wapi si ma kochama koloto naba procès verbaux, Henri Mova, apesaki mukumba, ya vice-primature, ya intérieur pe sécurité, na Basil Longo, liboso, ya secrétaire général, ya gouvernement, pe ba service, o etambula kana ministère yango. Vice-premier ministre intérieur pe sécurité intérimaire, Basil Longo, o asepeli lo lenge remise et salemaki, à la qui était na mikolo mikeza likoya ba gouverneur nyonso oba pona makilo kola balobeli esengeli ba tosa mibeko na kotikaka ebonga gouverneur na mutu mususu climat oyo ilikia oza climat ya kitoko depuis VPM Emmanuel Ramazani Shadari naye tuzali ko travailler en parfaite collaboration to travailler malabo et nzambe ndasali ke non ba ponie à qui on a assemblé, à Ponipé ensemble, à la députée, donc à Tosi Mibeko. Le lingue moko tozali koloba, et pour le gouverneur, au 5-7, aux à la gouverneur, aux à la députée, Fautika, tozan a régime accumulé dans le cannabis. Au moins, il y a un taxi, il faut qu'il y ait un tinasse. Au lobby, il y a un état sécuritaire, nini. Moi, je suis un bilan, je suis un peu à l'exalité, je suis un peu à l'olendo. Mais ce qui est le lot dans le cannabis, c'est que nous avons dit que nous avons dit pouvoir civiliser na dit que nous avons 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 dit que Premier ministre Asika Aya, gouvernement Asika Aya, Biso Pongi Ezalite, pour être ministère intérieur, ndi ememi mukumba ya mboka mobimba na mapeka. Basil Longo, alaki na ngonga oepesa meliye ya kosala mosala lo lenge longo bani pona intérêt ya mboka. Tolobi. C'est tout à fait normal. Dans notre pays, nous ne sommes pas dans un régime de cumul de fonctions. Dieu a fait grâce que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, Henri Movasakani, soit élu. Et comme il est élu, on a demandé après 8 jours, après la validation du mandat, il devrait choisir. Il a choisi l'Assemblée, donc automatiquement, il devrait arrêter avec ses prestations ici comme vice-premier ministre. Et le Premier ministre a pris une décision pour fixer les modalités d'intérim. Et moi, je suis désigné pour assumer l'intérim du vice-premier ministre. On a fait la remise et reprise, ce qui est tout à fait normal. C'est l'exemple que les autres doivent suivre. Les gens doivent comprendre que c'est lui qui est appelé à faire le cumul. C'est le président de la République. Parce qu'il attendra à ce que c'est lui qui est élu, tout ça. Et pendant ce temps-là, il peut encore rester là avant qu'il fasse la remise et reprise avec le nouveau président élu. Mais tout le reste, que ce soit le gouverneur de province, que ce soit le ministre, une fois que vous avez choisi l'Assemblée, vous cessez de prester au niveau du gouvernement ou au niveau du gouvernorat. Donc ça, on va fouiller pour voir s'il y a des gouverneurs qui ont été élus et qui ont choisi l'Assemblée nationale ou les assemblées provinciales, et qui continuent à prester comme gouverneur, on va mettre fin dans les 48 heures qui suivent. Donc, nous sommes dans un état de droit. Il faudrait que nous soyons respectueux des textes.
ce qu'on a fait, c'est de montrer l'exemple que le ministère de l'Intérieur, qui a le pays sur ses épaules, est dirigé par les gens qui respectent les textes. Donc on ne peut pas comprendre que quelque part, il y a des gens qui sont en train de froisser la Constitution, agir selon les humeurs, non, ce n'est pas, on ne va pas accepter. Et il faut aussi noter que le ministère de l'Intérieur a la charge de toute la République sur ses épaules. Donc, nous n'avons pas le même entendement que les autres qui croient que la gestion des affaires courantes, c'est rester à la maison, se croiser les bras. Non, nous devons travailler parce que si nous osons une minute chercher à dormir ou un peu d'assouplissement, non, mais le pays est à genoux. Donc, nous sommes appelés à travailler 24 heures sur 24 heures pour que le pays soit admis. Oyo Elikia Oeza Klima Kitoko. Depuis VPM Emmanuel Ramazan Ishadari, Naye, vous allez travailler en parfaite collaboration. Vous travaillez malade. Et Nzambinda Sali, que nous avons à Kéikounan ensemble, à Ponipé ensemble, à Zala député, donc à Tosi Mibeko, que nous avons eu continuité, à Sangisa, à Zala député, à Zala ministre. Le lingi moko tozali koloba pe pona ba gouverneur oko sangisate oza la gouverneur oza la député fotika tozana régime accumulé na mboka na biso omoni ndakisa biso to laxi na likolo il faut qu'il tatine assez et olobi na état sécuritaire nini mwana sa ba bilan nyonso awe zalité batu bako koloba ke notu za batu lolendo mais soki lelo na mboka na biso tozali koloba était au sali bongo passation à pouvoir civiliser na kat tambo kanabiso zali bilombe ozomona simanangai oyo to sali te maponami et sali manambo kanabiso kufa ezalate mobulu ezalate mbala liboso na Congo to moni ke président élu atiki ngbenda bokonzi et pa yande ko mususu oyo baponiye ministère de l'intérieur kasite nini te babuki te ndenge zosala mwana mboka mususu bilombe o ezali awa état sécuritaire oui na kati na mboka na biso kimia ezali sauf na bisika muke muke ndakisa na munyela mboka na biso tozali kati na kokoba na kobunda po ete kimia evanda elongo na bango kuluna o tolembisaki elingi kozonga tokosala maso mpe ete esila po ete toza wana te mpona kolala pongi eleko oyo tozali oyo bato bakoloba ezali mpona kozela ete premier ministre ya sika aya gouvernement ya sika eya biso pongi ezali te po ete ministère ya intérieur nde ememi mokumba ya mboka mobima na mapeka donc biso ma kolala pongi ezali te tokosala mosala engebene na mibeko ya mboka na biso tikino Ako tchar bat mususu awa pour te baye bako remplacer biso. Pour se freiner, parce que nous allons passer une année jour pour jour dans ce ministère, pour organiser très rapidement des très grandes échéances politiques de notre pays. Mon propos va consister à lancer un mot de remerciement à tous les collaborateurs que nous avons eus. Toi-même, moi-même, nous sommes dans le même cabinet, contrairement à d'autres collègues qui, eux, vont faire de vraies remises et reprises en faisant connaître à l'entrant les éléments du dossier du ministère. Là, vous êtes dans votre cabinet que vous avez géré dans le même lieu, dans le même temps, avec tous nos collaborateurs qui ont construit le cabinet. Donc, vous continuez là où vous avez toujours été. Donc, ce n'est pas une passation de pouvoir avec un étranger au service. C'est une grande joie d'avoir connu ces gens de beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, dans un ministère très, très difficile. Souvent les nouvelles sont mauvaises et qu'il faudra gérer au quotidien. J'ai pu apprécier le professionnalisme des uns des autres, la police, la direction générale de l'immigration, les autres commissions que citaient le conseiller juridique,
fait de premier saut qualitatif en termes d'infrastructure avec l'acquisition, je dirais, de ces bâtiments où maintenant, avec de la prestance et du prestige, un ministère de l'Intérieur peut se targuer d'être un ministère de souveraineté. C'est ensemble qu'on a fait, c'est bon. Tous les autres efforts qu'on a consentis, tous les sacrifices, nous étions nous-mêmes, nous deux candidats, et le processus est encore en cours, hein, donc c'est pas fini. De bonnes surprises, certainement. En tout cas, je te souhaite bon vent dans la continuation de cette œuvre noble, de don de soi à la nation, de don de son temps, de son énergie, de son intelligence, à des prestations qui sont souvent ingrates, parce que les gens ont tendance à voir les trains qui n'arrivent pas en gare, mais les trains qui arrivent en gare, on ne fait pas attention. Lorsque la police fait ses prestations, lorsque l'administration fonctionne, on n'en fait pas trop cas. Souvent, on constate lorsque un malheur nous arrive, et donc c'est de cette ingratitude dont je parle. Il faudra continuer avec soi. L'histoire en jugera. J'estime que nous avons passé de très bons moments. Et j'ai pu apprécier votre capacité d'adaptation, de collaboration, de fair play, même quand il y avait des moments difficiles que vous avez passés, notamment dans votre propre patelin, je vous parle du centre-groupe, avec beaucoup de sang-froid, vous avez géré, même quand vous-même vous êtes trouvé parfois en situation délicate, ou sinon des dangers carrément. Nous avons traversé tous ces événements difficiles ensemble, dans un processus qui risquait de s'emballer et de déraper, mais la consistance, le sens du professionnalisme de nos collaborateurs, de nous-mêmes, tout cela a milité en faveur de la tenue de du navire, et aujourd'hui on arrive au débarcadère en toute beauté, en toute douceur. C'est énorme, il ne faut pas toujours bouder son plaisir, même quand on est soldat. Ce qu'on a fait mérite d'être salué, si les autres ne le font pas, au moins dans notre petit cadre aussi, je souhaite le faire. Et dire en ton nom aussi un immense merci à tous les collaborateurs de l'administration publique, du professionnalisme, vous avez aidé à ce que ça tienne jusqu'au bout. On a un État aujourd'hui qui a tous les attributs, les gens du cabinet, merci à tout le monde. On a eu un cabinet assez harmonieux, hein, souvent là où il y a deux personnalités politiques d'une certaine envergure, il y a souvent de quoi, mais on n'en a jamais connu, hein, peut-être par hypocrisie, mais sinon en tout cas. On a été sincères l'un envers l'autre, j'ai pu apprécier l'homme que j'avais connu d'abord dans la presse, hein, parce que je suis séparé. Baninga tangwe kokie, papi gene tolobe la vie, papi gene tolobe la vie, papi gene tolobe la vie. Coin si coin, mototeo, tolobe la vie. Kuna balobinini, ah balobinini. Veut dire, tolobe la vie, papi gene. Papi gene, tolobe la vie, papi gene, tolobe la vie.